Yop tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost sur la map Sovereign en domination 6v6. Dans cette partie, j'étais accompagné de Zulu the Camper, Fanatic, Vodka Powers et ZK Drize. Putain, j'arrive plus à retenir à chaque fois. et voilà, je crois qu'on était que ça. Un groupe de 6, mais il manquait un mec, je me rappelle plus. Enfin bref. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une KM à la Amélie, des moi ouais. sans l'Amélie, j'avais mis silencieux, grande cape. Pas la poignée, parce que je sais pas, j'aime pas les. Enfin, c'est pas mon habitude de mettre des poignées sur les armes. J'aime bien mettre des grandes capes parce que j'ai. Comment dire. Vu que je suis souvent dans les spawns. Wow. Attendez, 2 secondes. Voilà. Vu que je suis souvent dans les spawns, eh ben, il me faut beaucoup de balles pour enchaîner plusieurs ennemis à la suite. Donc c'est vraiment plus intéressant d'utiliser le grand cap. Après, je vous affiche le screen de la classe maintenant. Voilà, comme ça, ça sera fait. Donc voilà, avec le petit blob qui fait toujours plaisir. Donc dans cette vidéo, je voulais parler de plusieurs choses. Donc je voulais vous dire aussi que la KM est un peu longue, enfin, a fait à peu près 4 minutes, 4 minutes 30, donc c'est pas trop mal. Enfin bref. Je voulais vous parler des vidéos à venir sur la chaîne. Donc tout d'abord, du petit, enfin c'est pas un projet, mais du retour aux sources à peu près sur les anciens Call of. Donc je vous ai fait du BO1, donc ce week-end. Je vais vous proposer cette semaine du BO2, donc il y a beaucoup de gens qui ont demandé du BO2. Enfin, il y a des gens qui ont demandé du BO2, du Code 4, du MW2, du BO1 aussi, même si j'en ai déjà proposé, ils en veulent encore. Donc voilà, je vais essayer de proposer un maximum de gameplay sur ces Call of Duty, tout simplement. Donc BO1, j'ai du gameplay encore. Je proposerai du Black Ops 2 donc cette semaine, donc une nucléaire. À la N94 sur Red, je crois, si je me souviens bien. Ou sinon, si vous voulez, il y a une autre nucléaire sur Black Ops 2, donc encore sur Nuketown, à la MSMC, au Remington 870 MCS. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires entre ces deux gameplays sur BO2. Sinon, sur MW2, je n'ai pas de gameplay. Code 4, j'en ai pas non plus. Donc Code 4, il y a un petit problème, c'est que quand on lance le jeu, il y a un... Comment dire, Une sorte de bug, je sais pas ce que c'est, mais... Genre, quand on allume le jeu, ça fait oui, non. Et quand on met oui ou non, ça fait veuillez retourner au menu PlayStation, je sais pas quoi, là. Enfin, ça fait que bugger, je comprends rien du tout. Donc, j'ai regardé sur YouTube et il y a pas mal de gens qui ont le même problème, mais j'ai toujours pas trouvé la solution. Donc, pour ceux qui voient un peu le... Comment dire? Pour ceux qui voient le problème que j'ai à peu près, bah, si vous savez comment le résoudre, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous faire des gameplays sur Code 4. Après, il y a personne qui m'a dit de faire des gameplays sur World at War. Pourtant, un jeu... C'est vrai que c'est un jeu pas mal délaissé par la communauté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont aimé. Je trouve qu'il est pas trop mal, c'est un peu, c'est vrai que ça fait un peu style Deuxième Guerre Mondiale, mais il est vraiment bien à jouer. BO1, donc comme je dis, il me reste des gameplays. MW3 aussi, il y a des gens qui m'ont demandé, je n'ai pas de Moab, j'ai pas de truc spécial sur MW3, donc je vais tenter des gameplays, pareil. Mais voilà, mais cette semaine, il y aura surtout du BO1 et du BO2. MW3, tout ça, World at War, Code 4, si j'arrive à résoudre le problème, ça arrivera la semaine prochaine. Enfin, dans une semaine ou 2 semaines à peu près. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez aimer un peu ce retour aux sources sur les plusieurs Call of Duty que j'ai cités donc avant. pardon. Voilà, voilà. Donc je voulais vous parler de ça dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. KM Express avec toutes les armes, ça va arriver bientôt aussi. Donc avec un nouvel épisode à la... merde. À la SA-805, je crois, ou à la... C'est quoi l'arme déjà que j'avais avant? C'est la... À la M27 aussi. Donc j'avais fait une vidéo pour la M27, mais c'était pour ma double KM Fail Solo. Donc voilà, elle rentrera pas dans l'épisode, mais j'en ai fait une autre pour cet épisode. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris. Enfin bref, on s'en fout. C'était Blackbird HD, laissez un like, un commentaire. Donc je finis sur un 64-6. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, voilà, allez.